Précédemment, dans Epic Series. Après Deauville, où un jeune cheval s'est imposé, les champions vont se retrouver dans une semaine sur la piste de Chantilly pour le Qatar Prix Vermeil. Rencontre avec un jockey d'exception, Christophe Soumillon. Bienvenue dans Epic Series, la série qui vous emmène au-delà des courses. Christophe Soumillon a remporté le Qatar Prix Vermeil à 4 reprises. Il sait à quel point cette course est importante. C'est une demi-finale avant une finale de Coupe du Monde. Il nous livre les secrets de sa stratégie. Je pense que le premier, c'est quand on doit se placer dans le parcours, et c'est de garder la meilleure position possible pour pouvoir attaquer au moment opportun. Puis le dernier tournant, bien faire en sorte à ce qu'on ne soit pas trop gêné et que le cheval respire. Puis bien sûr, il y a l'entrée de ligne droite où il faut absolument s'engager et ensuite demander l'effort maximal au cheval. Seule une immense championne peut sortir gagnante de cette course de guerrière. La craque, en général, c'est une pouliche qui est un peu sûre d'elle, qui montre un peu de caractère et qui n'est pas fébrile. C'est un peu comme dans la Formule 1. C'est pas parce qu'on est en tête à 3 tours de l'arrivée qu'on a absolument gagné. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Christophe Soumillon sait que remporter cette étape des Epic Series donne un avantage décisif le jour du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, même si... rien n'est joué dans le circuit. Rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 17 des Epic Series.